Bienvenue à euh, ce webinaire euh, de la chaire sur la décomposition. Moi, c'est Mark Curden, titulaire euh, de la chaire. Ici, avec Charles Seken, euh, professeur euh, au département des sciences économiques et également. Il fait euh, partie de la chaire sur la décomposition aussi. Bonjour tout le monde. On va, attendre... <laughs> On va attendre une minute pour laisser les gens rentrer dans la salle virtuelle. Et euh, comme d'habitude, on va enregistrer le, le webinaire, puis on va le diffuser par la suite sur, les, euh, sur nos canaux euh, YouTube. Encore, euh, je ne sais pas si euh, une mise à jour à euh, faire, euh, tu veux mieux te présenter que... Charles, euh... Oh, écoutez, euh, ben, en tout cas, euh, ça fait plusieurs euh, fois qu'on fait ce genre d'exercice, Marc et moi. Euh, ça fait longtemps que je suis de près euh, le système de plafonnement et d'échange du Québec, puis son lien avec la Californie. Euh, J'ai beaucoup d'étudiants qui ont travaillé sur euh, la question. Alors, on a euh, publié un article, puis euh, aussi là, ça fait depuis l'automne euh, euh, dernier que je suis dans le comité consultatif sur les changements climatiques là, du gouvernement du Québec, donc qui euh, donne des conseils au ministre de l'Environnement. Euh, J'ai joint ce comité-là principalement pour mon expertise sur le marché du carbone. On a rédigé euh, un avis avec des recommandations sur le marché du carbone. Le ministre est en possession de cet avis. On attend juste l'autorisation de Québec pour pouvoir rendre euh, cet avis euh, public. On me dit là, à l'origine, j'espérais que ça puisse devenir public euh, ce mois-ci, dans le courant du mois de juin. Mais apparemment, là, il y a congestion de rapports euh, du côté euh, de Québec là, à publier, puis ils veulent étaler ça un peu dans le temps. Donc, euh, ça semble plus que ça va être à la mi-juillet, malheureusement seulement qu'on va euh, pouvoir publier euh, cet avis euh, sur le marché du carbone. Là. Donc, euh, voilà, il faudra attendre encore un petit peu. Mais euh, on a hâte d'avoir le rapport. On va toucher sur certains de ces enjeux-là parce que depuis, euh, depuis, euh, depuis quelques semaines, il y a un, un débat euh, dans le média sur le marché qui est un rue du bas. On va toucher sur, sur certains éléments dans ces webinaires. Mais voilà, on va, on va commencer. Euh, comme d'habitude, on fait nos webinaires pour juste le, faire une mise à jour sur ce qui se passe avec le, le marché. On va se, se concentrer sur le marché du Québec-Californie cette fois-là. On a fait un webinaire sur l'État de Washington euh, il y a deux semaines, euh, qui euh, on va publier bientôt sur YouTube. Euh, mais il y a une intrigue de, de Washington qui se joint avec avec les Californie-Québec. Euh, il y a des, des, des débats un peu politiques en Washington actuellement, donc on va attendre. Encore ce qui se passe, mais um, vous pouvez consulter cette webinaire uh, une fois que c'est uh, mis sur le YouTube. Donc, um, après nos, nos revues des, de, de, de la vente aux enchères du Californie-Québec, on va regarder un peu les prix sur le, le, le taxe fédéral uh, qui a augmenté à 4 à 20 um, Puis, on va discuter un peu les, les, les débats récents dans le média, puis, on va aborder uh, les deux questions. Je pense que le qui se présente là, c'est une, c'est est-ce que le l'achat des droits d'émission de la Californie, est-ce que c'est est -ce est légitime? Est-ce qu'on devrait chercher à faire des réductions chez nous uh, uniquement? <coughs> uh, Puis un uh, une autre question, c'est uh, le risque de surallocation. Uh, et est-ce que la uh, est surallocation sape la crédibilité du marché? Puis uh, on va conclure. Euh, donc, on commence avec le vente aux enchères. Je vais, euh, je vais continuer encore avec quelques diapos, puis après, je vais donner la parole à, donner la parole à Charles. Um, mais il faut juste euh, rappeler que euh, le, quand on parle de notre expérience avec le marché du carbone, c'est souvent on fait référence à les émissions entre les, les prix entre 2013 et 2020, où il y avait euh, les objectifs de Californie étaient. Uh, beaucoup moins ambitieux que les objectifs du Québec. Uh, le Québec avait des, émissions, des, 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 des objectifs de, de réduction des émissions pour 2020, de, de, une réduction de moins de 20 sur le niveau de 1990. Mais Californie cherchait juste à réduire ses émissions jusqu'aux niveau de 1990. Ça, c'est les, les débats politiques à l'intérieur de du, du Californie. Mais la chose à souligner ici, parce que ça va, ça va avoir des implications pour comment comprendre ce qui se passe actuellement en Californie et, et Québec avec le marché, c'est que depuis 2030, la Californie a pris les engagements beaucoup plus sérieux, en euh, réduction de 40 sous les niveaux de 1990. C'est même un peu plus euh, 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 contraignant que le, le CID adopté par le Québec pour 2030. Même si tu me permets, Marc, d'intervenir ici, euh, il y a des discussions là, en Californie pour resserrer cet euh, objectif de 2030, euh, peut-être à 48 de réduction plutôt que 40 de réduction. Fait que ça rendrait euh, la cible californienne encore plus ambitieuse à ce moment. -là. Effectivement là. Um, Puis on va juste euh, souligner aussi que la Californie a adopté des cibles pour 2045 d'une de réduction de 95 85 euh, ça, sous les niveaux de 1990. Je pense que le Québec est toujours en train de mais euh, je pense que dans le plan vert, plan pour l'économie vert on parlait d'atteindre la carbone neutralité euh, à, à l'horizon de, de 2050. Euh, <coughs> Donc, euh, juste un, un rappel sur comment, le, comment ça fonctionne, l'attribution des droits d'émission. La majorité des droits d'émission sont vendus aux enchères. Voilà, il y a quatre enchères par an. Euh, puis, le, il y a un prix aussi plancher. Hein. Le, il, y a, il y a un prix plancher qui a commencé à 10 US et on verra ça a augmenté euh, euh, à quasiment 24 US. Euh, puis, euh, parce que le, le, le prix plancher est prévu d'augmenter euh, graduellement avec le temps, ça s'est supposé aider avec les. Euh, L'octroi excessif involontaire des, des droits d'émission. Il y a souvent aux questions de surallocation. Um, il y a aussi une un certaine attribution gratuite. Uh, puis entre 2015 et 2020, la proportion des quotas. Les droits d'émission euh, attribués de manière gratuite étaient euh, réduits à euh, environ 20 de, Je ne sais pas Charles, si il y a une mise à jour sur les attributions gratuites. Ben, euh, je pense qu'il y a une différence euh, à ce niveau-là un peu entre le Québec et la Californie où la proportion euh, était un peu plus élevée au Québec, puis aussi avec euh, la possibilité pour les moyens émetteurs industriels, là, ceux qui sont en 10 et 25 000 tonnes. D'émissions d'équivalent CO2 annuellement de euh, s'assujettir volontairement euh, au marché. On a augmenté euh, la proportion euh, d'allocations gratuites. fait qu'on est plus dans les 30 euh, au Québec maintenant. Fait que ça, c'est un, un enjeu un petit peu. Euh, que cette, euh, cette proportion-là, finalement, a été euh, croissante au Québec alors qu'on n'a pas observé ce, ce phénomène-là euh, en Californie. Merci. Euh, mais c'est juste pour résumer euh, comment ça à quoi ça ressemble, les, les plafonds. Quand on parle d'un plafonnement des droits d'émission, euh, mais le plafond doit... Euh, euh, il y a une réduction des plafonds annuels euh, d'ici 2030. Euh, donc, on est ici en 2024. Puis, euh, oui, il y a une, une joue, euh, euh, il y a les aussi les crédits compensatoires qui ne sont pas inclus dans les plafonds. Mais ce qu'on voit, c'est une réduction euh, importante des droits d'émission des plafonds entre 2000, mais surtout entre 2015 et 2029 euh, de, pour 2030. Um, puis au début, en 2013, 2014, c'était juste les grands émetteurs euh, qui étaient inclus, mais en 2015, on a les distributeurs de pétrole et de gaz naturel. Puis on cherche une réduction des émissions de gaz de terre dans l'ensemble. Le rouge, c'est la Californie, parce que c'est beaucoup plus, plus grand source ces émissions, puis le bleu, c'est le Québec. Et puis, ce qui est important, de, un autre élément qui est important à noter sur ce graphique-là, c'est euh, les périodes de conformité là, que vous voyez qui sont indiquées en dessous des années au bas du graphique, euh, c'est que les émetteurs euh, n'ont pas à se conformer à chaque année. C'est-à-dire, non pas à fournir les droits d'émission pour couvrir leurs émissions de gaz à effet de serre annuellement. Ils ont seulement besoin de se conformer aux trois ans. La Californie a une règle sur la conformité partielle où les émetteurs doivent couvrir une fraction de leurs émissions à chaque année, mais le Québec n'en a pas. Donc, au Québec, c'est seulement au bout de la période de trois ans qu'on peut faire le bilan sur les émissions qui ont été faites par les émetteurs réglementés. Les, les unités qui ont été remises et le, les flux de ces droits d'émission entre les deux juridictions. Donc là, vous voyez qu'en 2024, en, cette année, on est au début d'une période de conformité. Donc on a terminé la période 21-22-23. Euh, par contre, les émetteurs ont jusqu'à assez tard, presque jusqu'à la fin de l'année euh, courante 2024, pour soumettre leur rapport concernant la période de conformité qui vient de se terminer, donc celle de 2021 à 2023. Donc, dans certaines choses qu'on va vous montrer, vous allez voir que des fois les données arrêtent parfois à 2020 parce que c'est la dernière période de conformité pour laquelle on a les données complètes. Puis, on espère que euh, d'ici la fin de 2024, on va pouvoir avoir le portrait complet euh, de ce qui s'est passé pour la période euh, qu'on vient de terminer, là, 2021 à 2023. Merci beaucoup, Charles. Donc voilà. Euh, je vais progresser dans les, les diapos, mais voilà les. Oh, je dois faire un petit. Euh... OK. bah ben là, on voit le, le, le résultat de l'enchère. Euh, donc, vous voyez le prix plancher, comme Marc disait au début, était autour de 24 américains, euh, 32, presque 33 euh, canadiens. Fait qu'on va voir dans le graphique que pendant longtemps, les permis se sont vendus au prix plancher, mais là, on est de, depuis à peu près trois ans, depuis 2021, euh, les prix ont largement décollé euh, du plancher. C'est un léger recul pour le millésime présent. Alors, que les unités qui concernent, euh, qui sont valides à partir de l'année 2024, donc à 50 et 53 on était autour de 56 à l'enchère du mois de février. Euh, donc, peut-être que tu pourrais voir le portrait historique, peut-être tu peux passer à la, à la prochaine diapo, Marc. Donc, euh, on est en recul de peut-être à peu près euh, 10 au niveau, euh, au niveau du prix, mais il reste que, euh, comme vous voyez ici, on est quand même dans euh, les prix les plus élevés là, euh, des enchères. C'est-à-dire qu'à 50 on est au troisième prix euh, le plus élevé là, des enchères du marché. C'est seulement le prix des deux enchères précédentes, celui de février qui était le record, puis celui de novembre 2023 qui était euh, l'ancien record. Donc, on est quand même au, au troisième prix le plus élevé, un petit recul. Euh, C'est sûr que les choses qui euh, peuvent expliquer ce recul-là, euh, C'est le ralentissement économique qu'on observe. On a vu que cette semaine, euh, la Banque du Canada a annoncé une diminution de euh, son taux d'escompte. On voit que l'inflation ralentit, mais l'inflation ralentit aussi parce que l'activité économique a ralenti. Donc, euh, les émetteurs semblent sentir qu'il euh, y a un petit peu moins euh, de demande pour les produits, qu'il va y avoir un petit peu moins de demande pour faire des émissions. Donc, eux, ils ont réduit leur demande de euh, droit d'émission à ce moment-là. Il y avait un petit peu de surprise. Euh, dans le marché à cet égard-là, si on regardait par exemple euh, euh, au niveau de ce qu'on observait dans les marchés de contrats à terme, euh, juste avant que soient publiés les résultats de l'enchère. Donc euh, l'enchère euh, a eu lieu euh, le 22 mai. Euh, puis ça, c'était un peu une, euh, je fais une petite parenthèse ici, c'était un peu une surprise. Alors, habituellement, les enchères ont lieu à la deuxième enchère de l'année a lieu à la mi-mai. Euh, mais là, il y a eu des problèmes techniques euh, au niveau de la plateforme de l'enchère, puis l'enchère a dû être poussée euh, d'une semaine. Donc, elle a eu lieu seulement euh, le 22 mai. Et euh, c'était seulement la deuxième fois euh, dans l'histoire des enchères qu'on avait une enchère repoussée en raison de problèmes techniques. En fait, euh, la seule autre fois, c'était euh, la première enchère conjointe qu'il y avait eu entre le Québec et la Californie en novembre 2014. Bien, elle, elle avait dû aussi être repoussée légèrement à cause de, de problèmes techniques. Mais bref, l'enchère a pu quand même euh, avoir lieu. Euh, les résultats, habituellement, sont publiés une semaine après. Là, ils ont été publiés, je crois, une semaine et un jour après, en tout cas, le 30 mai. Puis si on regarde ce qui se passait dans euh, les marchés de produits dérivés, de contrats à terme sur euh, les crédits carbone, bien, le prix qui était anticipé était quand même un peu supérieur. On voyait qu'au 29 mai, par exemple, les contrats à terme pour les, les millésimes 2024, le millésime courant… Euh, en arrivé à terme en juin 2024, s'échangeait presque à 54 On était presque au niveau de l'ancien prix de l'enchère de février à 56 puis on était au-dessus de ce qui s'est matérialisé à 50 et 53 Puis ça, ça a eu un impact euh, dans, ces, euh, dans ces marchés de contrats à terme parce que là, on a vu le prix descendre, même descendre plus bas. Euh, que ce qu'on a observé en réaction. Donc quand j'ai regardé les données hier euh, pour le millésime 2024 sur euh, les contrats à terme, on était à 47,60 Donc euh, on avait quand même une, une baisse importante là, de la valeur euh, sur la dernière semaine euh, après que les résultats de, euh, de l'enchère aient, euh, aient été publiés. Néanmoins, il faut, faut mettre ça en contexte quand même parce que si on regarde ce qui s'est passé euh, dans l'État de Washington. Qui eux ont tenu leur enchère euh, au mois de mars, euh, où on commençait déjà à avoir les signaux là, euh, de l'économie qui ralentit euh, en Amérique du Nord. Euh, eux, ils ont connu une baisse euh, beaucoup plus importante du prix. Là, on a euh, vu une baisse de euh, plus de 50 euh, du prix des crédits dans le, le marché de Washington. C'est ça, c'est plus. Il y a plus de volatilité qui est attendue dans le marché de Washington parce que c'est un marché plus jeune. Je crois qu'ils étaient à leur quatrième ou cinquième enchère seulement euh, dans le marché de Washington, alors qu'ici, euh, on est à la 39e euh, enchère commune euh, entre les deux juridictions. Euh, une autre chose qui était surprenante à propos de euh, euh, cette enchère, si tu passes à la prochaine euh, diapo, Mark, c'est que euh, on a eu une baisse moins prononcée euh, dans le prix des millésimes futurs. Puis même le prix des millésimes futurs à 52 dollars et euh, 34, donc presque 2 dollars de plus que le prix du millésime courant. Euh, euh, donc le prix du millésime futur, c'est situé au-dessus. Euh, du prix du millésime courant. Puis ça, c'est quand même une, euh, euh, une situation qu'on observe pas très fréquemment dans le marché. En fait, c'est à peu près seulement le quart euh, des enchères qu'on a eues depuis le début avec la Californie qui voit le prix du millésime futur être supérieur euh, au prix du millésime courant. Puis, qu'est-ce qui explique euh, cette situation-là un peu? C'est que, ben, ou en tout cas, qu'est-ce qui explique qu'en général, le prix du millésime futur est inférieur? C'est que, tu sais, le, le millésime futur, donc dans ce cas-ci, le millésime futur, c'est toujours pour la période de conformité future. Donc, c'est trois ans dans le futur. Donc, ici, l'enchère qu'on a eue au mois de mai, le millésime présent, c'est euh, un millésime 2024. Ça, ça veut dire que c'est un permis qui est valide pour des émissions faites en 2024 ou n'importe quelle année après 2024. Donc, c'est possible de mettre en banque ces crédits-là. Donc, la validité est à partir de 2024. Alors que le millésime futur, lui, la validité est à partir de, dans ce cas-ci, 2027. C'est toujours trois ans après euh, celui du, du millésime présent. Donc, c'est un produit ici qui euh, a une utilité plus restreinte. Hein. Toutes les périodes pour lesquelles il est valide. Le millésime 2024 il est valide aussi. C'est juste que le millésime 2027, il n'est pas valide avant d'arriver à l'année 2027. Fait qu'on peut comprendre qu'il euh, y a eu un moment à attendre avant d'utiliser ces crédits-là. Euh, il y a une valeur à immobiliser des fonds euh, dans ces choses-là. Donc, les, euh, les émetteurs et les investisseurs, les spéculateurs, sont habituellement moins enclins à euh, acheter les millésimes futurs à des prix euh, supérieurs à ce qu'on retrouve pour le, le millésime présent. Mais euh, ce n'est pas ce qu'on a observé euh, dans la dernière enchère. Puis C'est surprenant à plusieurs égards parce que euh, habituellement... Euh, la présence euh, des spéculateurs, c'est-à-dire les, les entités qui achètent des droits qui ne sont pas des émetteurs réglementés, est toujours plus grande sur le marché du millésime futur. Euh, je pense que tu as ce, ce tableau-là un petit peu plus loin, euh, Marc. Euh, ouais, ici, on voit les proportions. Ici, donc, on a vu pour le, le millésime présent, on était à 86 pour ça. Euh, donc, euh, là, ici, dans cette courbe-là, euh, ce qu'on voit en vert, c'est euh, les achats de millésimes euh, présents par euh, les émetteurs. Donc, 100% moins ce niveau-là, c'est l'achat par des non-émetteurs. Et quand on regarde la liste des participants au marché, la plupart de ces gens-là, c'est un intérêt financier qu'ils ont dans ces mécanismes-là. Donc, c'est pour des motifs euh, spéculatifs, c'est-à-dire qu'ils pensent pouvoir revendre ces crédits-là à meilleur prix euh, dans des transactions de gré à gré ou euh, sur le marché secondaire. Fait on voit qu'au niveau des euh, euh, du millésime courant, la ligne en verte, la proportion des émetteurs a significativement remonté à cette enchère-ci, alors que pour le millésime futur, la ligne en bleu... Il y a eu une plus faible remontée. Les, les spéculateurs sont restés plus présents euh, dans euh, le millésime futur. Puis pourquoi je mets beaucoup l'accent ici sur euh, cette dimension-là? C'est parce qu'il y a eu une décision qui a été rendue euh, récemment euh, devant euh, un tribunal international, le Centre International pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Ça, ça fait référence à la situation qui s'était produite quand l'Ontario euh, avait quitté euh, en 2018 le marché conjoint du Québec et de la Californie. Donc, on se rappelle, à l'époque, l'Ontario avait pendant un an, en 2017, euh, tenu son propre marché de plafonnement et d'échange. Puis en 2018, au 1er janvier, s'était joint avec le Québec et la Californie pour faire un marché à trois juridictions. Euh, et euh, dans la première moitié de l'année, avait participé conjointement avec le Québec et la Californie à deux enchères, celle de février et celle de mai. Mais après ça, dans l'été 2018, il y avait eu un changement de gouvernement en Ontario euh, et l'Ontario n'avait pas respecté euh, les engagements que les partenaires prennent en se joignant au marché du carbone, c'est-à-dire donner un préavis de un an. Euh, pour sortir du marché. À cette époque-là, euh, l'Ontario avait donné seulement un préavis de 24 heures euh, pour sa sortie du marché. Donc, le, 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 le Québec et la Californie avaient dû se retourner rapidement pour suspendre la validité des crédits euh, des crédits ontariens. Et l'Ontario, évidemment, en faisant ça, il, il attribuait une valeur nulle à des actifs, à des droits d'émission qui valaient, à mon souvenir, euh, peut-être 2 euh, milliards de dollars euh, en Ontario. Alors les émetteurs ontariens qui détenaient ces crises-là, eux, ont été compensés. Pour leurs achats de crédit par euh, le gouvernement, mais euh, les entités étrangères, elles n'ont pas été compensées. Euh, puis là, euh, je discutais récemment avec euh, Jacques Papy, euh, un de mes collègues euh, en droit à l'UCAM, euh, qui a étudié cette, euh, cet enjeu-là. Puis il s'avère que l'Ontario, même s'était voté euh, dans son retrait du marché du carbone, une immunité qui interdisait. Euh, aux entreprises de les poursuivre devant les tribunaux canadiens. Évidemment, quelqu'un aurait pu poursuivre pour contester la validité de cette immunité, mais ça créait des délais supplémentaires parce qu'il fallait d'abord contester l'immunité avant de pouvoir aller euh, contester l'annulation de ces crédits. Faites ce que des euh, investisseurs étrangers ont préféré faire, Puis dans ce cas-ci en particulier, c'était l'entreprise euh, américaine euh, Coke Industries. Euh, eux, euh, ils ont préféré aller devant des instances de commerce international pour obtenir une compensation en disant qu'ils avaient des investissements euh, au Canada et que ces investissements euh, ont euh, souffert d'une expropriation euh, sans compensation. Euh, et puis, le, 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 le tribunal qui a rendu une décision en mars dernier euh, est allé contre les demandeurs, contre les investisseurs, puis ils ont considéré qu'aux yeux des accords commerciaux aux yeux de l'ALENA euh, renégociés, euh, le, euh, le fait de détenir euh, ces droits d'émission ontariens ne constituait pas un investissement. Donc, on ne pouvait pas obtenir de compensation en vertu des règles de commerce sur, euh, sur les investissements. Donc, on, on aurait pu croire que cette décision-là allait refroidir. Euh, les investisseurs potentiels, sachant que euh, si une juridiction euh, connaissait des changements politiques importants, se retirait du marché, euh, on pourrait ne pas être compensé euh, si on n'était pas un investisseur de la dite euh, juridiction. C'est sûr que le reste peut-être est perçu comme étant faible entre le Québec. Puis la Californie parce que ça je pense Mark peut-être va en parler vers la fin c'est quand même un système qui a un fort appui politique euh, dans les deux juridictions puis ça fait partie de ses forces euh, qui euh, soient supportées euh, par les élus euh, ça garantit un peu sa une certaine permanence à travers le temps fait il semble que les investisseurs soient confiants qu'ils n'aient pas trop déserté puis le fait qu'ils aient peu déserté euh, le marché des millésimes futurs euh, a contribué ici au fait qu'on euh, a été dans un des cas environ une fois sur quatre en moyenne où on retrouve le prix du millésime futur qui est supérieur euh, au prix du millésime courant. Euh, on peut... demande euh, comment... si euh, On peut juste recouler sur les... Oui, sur, oui. les sur les prix, euh, surtout les prix actuels. Je pense aussi, euh, peut-être une chose, parce que ça va, ça va, ça va être, euh, on va revenir sur ces, ces dynamiques de prix euh, <coughs> plus tard quand on discute les questions de surallocation. Um, mais il y, y, y a quelque chose qui est important à mon avis, c'est le entre 2015, le début du marché, et on vend le première vente aux enchères, et le deuxième peut-être au mois de mai, en 2021, on, a, on avait les prix très faibles. Euh, le prix de marché était quasiment collé au, au prix mm. plancher mm -mm. qui est là. Même en 2016, euh, 2017 ici, il y avait les prix... Non, euh, euh, quelque part... Anyway, il y avait un autre moment, peut-être en 2016, peut-être quelque part ici, c'est difficile à voir avec ces diapos, où le prix, euh, euh, prix de vente est tombé en dessous du prix plancher. Il um, y a une dynamique ici qui, pendant cette période-là, quand les prix étaient très faibles, il euh, y avait beaucoup de questionnements sur le fonctionnement du marché. Mais la chose peut-être, eh, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, um, Charles. Qu'est-ce qui explique l'augmentation depuis 2021 euh, des prix de carbone? Est-ce que ouais. est-ce que tu. Ben voilà. Ouais. Je pense que, euh, effectivement, dans le, les débuts du marché, euh, donc euh, 2015, puis même dans la phase euh, qui était plus euh, exploratoire, où il y a seulement les émetteurs industriels qui étaient couverts en 2013, 2014, euh, le, 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 la location, les volumes mis en vente étaient quand même, euh, étaient quand même généreux. Euh, donc, euh, le volume qui était disponible faisait en sorte que euh, les gens n'étaient pas prêts à l'acheter au complet au prix euh, minimum. Donc, euh, le prix minimum était euh, mis en vigueur, puis il y a moins que le volume total qui était vendu. Mais évidemment, avec les plafonds qui diminuent, à travers le temps, toutes ces choses-là euh, sont devenues plus contraignantes. Puis, il y avait déjà des indices que le marché commençait à être contraignant. Il y avait une petite période en 2017, euh, mais évidemment, il y a eu une contestation judiciaire aux États-Unis. Euh, de la part du gouvernement fédéral quand c'était l'administration Trump euh, ils ont ju jugé que euh, la Californie s'était engagée dans un traité international avec le Québec puis que c'était illégal pour un état de s'engager dans un traité que c'était une prérogative du gouvernement fédéral américain et euh, il y a eu de l'incertitude dans le marché ça a fait retomber les prix euh, au plancher parce qu'on pensait peut-être que la, 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 le lien entre les deux juridictions allait disparaître mais, euh, le gouvernement fédéral a perdu euh, son recours devant les tribunaux, puis la, la liaison a été maintenue. On voyait qu'en 2019, euh, le prix commençait déjà euh, à se détacher du plancher, donc il y avait une certaine rareté euh, des crédits, mais euh, en 2020, on sait que euh, la pandémie a frappé. Euh, donc c'est seulement quand euh, l'activité économique a commencé à rebondir que les... Restrictions sanitaires ont été mises de côté euh, vers le milieu de 2021, que là, on a vu le prix vraiment décoller. Puis ce qu'il faut que les gens réalisent avec ces prix qui décollent, c'est que quand les prix décollent du plancher deux enchères de suite, euh, les gouvernements peuvent réinjecter dans les enchères suivantes des crédits qui ont été non vendus dans le passé. Okay? Donc, euh, tous les crédits qui ont été non vendus dans la période qui était au plancher euh, ont augmenté l'offre. Euh, à partir de la mi-2021. Et euh, malgré le fait que l'offre a été augmentée, les prix euh, sont demeurés très forts. Puis là, en ce moment, je pense que dans la dernière enchère... Il restait quelques centaines de crédits de l'année 2017 qui ont été mis en vente sur euh, 50 millions de crédits au total. Donc, il, il reste à peu près plus de crédits accumulés des enchères passées. Tous les crédits ont été distribués dans le marché. Puis même si ces crédits-là ont été ajoutés aux ventes, bien, euh, les, euh, les prix euh, sont quand même très forts. Fait que ça, ça, ça vient de... <laughs> Deux choses. Ça vient de euh, la diminution des plafonds qu'on a montré dans la diapo précédente. Le marché devient de plus en plus contraignant euh, avec le temps. Puis, ça vient de, euh, des perspectives économiques, de la reprise euh, post-pandémique qui fait qu'il y a beaucoup de demandes pour les produits qui sont associés à des émissions de gaz à effet de serre. Donc, les émetteurs sont prêts à payer plus cher pour avoir le droit de faire, euh, le droit de faire des émissions. Il y a aussi euh, <coughs> qu'en 2030, mais en 2030, 71, on a la Californie, uh, c'est la mise en vigueur de ces, ces emplacements plus contraignants qui, uh, je ne sais pas si ça peut, aurait, uh, aurait dû avoir un, un impact uh, déjà sur le prix, mais um, uh, peut-être c'est uh, peut uh, un autre facteur qui, uh, qui, uh, qui explique les choses un peu. Um, tu euh, euh, peut-être euh... peut juste avant qu'on parle de la, oui. la taxe fédérale, euh, euh, Marc, peut-être un dernier euh, élément que, ou deux derniers éléments que j'aimerais souligner sur euh, <coughs> l'enchère du, euh, du mois de mai. C'est un, euh, pour la, la santé des enchères, euh, ce qui nous inquiète souvent, c'est euh, si les euh, enchères sont assez euh, compétitives. Euh, on voudrait éviter que... Euh, il y a des gens qui tentent de s'accaparer une position de pouvoir de marché dans les enchères pour faire une pression à la baisse euh, sur les prix. Puis à cet égard-là, euh, les, les gouvernements tentent d'être transparents. Puis à chaque enchère, ils publient des, des indicateurs de concentration du marché. Ici, euh, l'indice Erfindal-Hirschmann. Euh, euh, qui, grosso modo, euh, plus il est petit, euh, plus c'est compétitif, euh, puis plus il est élevé, euh, moins c'est compétitif. Donc, quand on regardait cet indice-là pour l'enchère euh, qui vient de, de, de se dérouler, euh, des 39 euh, enchères euh, qui ont eu lieu communes jusqu'à maintenant avec le Québec et la Californie, pour le millésime présent, on avait la septième enchère la plus compétitive. Euh, le IHH était à 496, ce qui, normalement, en dessous de 500, on considère que c'est très compétitif, c'est la règle de pouce. Fait que là, on était dans euh, les. Cette enchère euh, dans, euh, des 39 qui ont eu lieu, qui était dans le niveau très compétitif. Puis pour euh, le millésime futur, le millésime futur, c'est toujours un peu moins compétitif parce qu'il y a moins de gens qui y participent, il y a moins de gens qui en achètent des millésimes futurs, mais là, on avait le deuxième plus haut euh, niveau de compétitivité, donc le plus vieux, deuxième plus bas indice euh, Hirschman-Hirfindahl de l'histoire des, des enchères à, à à 906, fait que normalement en dessous de 1000, on considère que c'est assez compétitif. Ce c'est pas souvent qu'il y a des indices en dessous de 1000 dans l'enchère des euh, euh, des millésimes futurs, là c'était le cas. Donc ça peut expliquer aussi pourquoi le prix euh, était plus élevé pour le millésime futur, c'est qu'il y avait un, un degré de compétition qui était plus élevé que ce qu'on observe euh, habituellement dans euh, les enchères pour le millésime futur. L'autre aspect que je voulais mentionner euh, brièvement, c'est que euh, depuis cette année, depuis 2024, il y a une. Euh, Nouvelle ligne dans les rapports sur les enchères pour le Québec. Depuis longtemps, la, la Californie a des entités consignées qui sont euh, dans le secteur de l'électricité, euh, qui ont des règles spéciales, euh, mais le Québec, lui, vient d'ajouter euh, ses propres entités consignées qui ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Euh, que celle de la Californie. En fait, les entités consignées du Québec, c'est euh, des émetteurs industriels qui bénéficient d'allocations gratuites. Et là, évidemment, avec les. ça, je pense qu'on va aller dans cette direction-là dans la présentation bientôt, Marc. C'est qu'avec les. Euh... Euh, le fait que le Québec était un grand importateur de droits d'émission californiens depuis 2015, euh, le gouvernement s'inquiétait qu'il n'y a pas assez de réductions qui étaient faites sur le territoire du Québec, puis qu'en particulier, peut-être qu'il n'y avait pas des investissements suffisants qui étaient faits dans euh, les nouvelles technologies ou les nouveaux processus de production euh, plus sobres en carbone. Fait que pour compenser ça, euh, ils ont dit aux... Euh, euh, les émetteurs industriels, OK, à partir de 2024, il va y avoir une partie de vos crédits gratuits que vous recevrez plus gratuitement. Vous allez devoir bider à l'enchère pour les avoir, puis payer les montants. Euh, du prix d'équilibre de l'enchère pour les acquérir, mais ces montants-là vont être mis de côté dans un compte spécial. Puis vous allez pouvoir accéder les montants mis dans ce compte spécial seulement pour des projets de développement technologique ou de mise en place de nouveaux processus de production qui réduisent les émissions. Okay? Donc, c'est comme la mise en place d'un d'un compte euh, d'investissement particulier qui est associé euh, au, euh, euh, à des unités vendues euh, à l'enchère. Les volumes sont encore petits. C'était à peu près 40 000 euh, unités euh, pour les entités consignées du Québec qui étaient en vente à l'enchère de février et à l'enchère euh, de, euh, de mai donc à un prix d'une cinquantaine de dollars. Euh, ça nous donne à peu près 2 millions de dollars qui, euh, qui, est, qui est mis de côté ici par enchère dans ces comptes des entités consignées pour faire des investissements. Fait que, si les prix restent dans les mêmes eaux, on peut s'attendre peut-être à ce qu'on génère autour de 8 millions de dollars par année euh, dans ces comptes des, des entités consignées pour les investissements dans euh, les nouvelles technologies, euh, les nouveaux actifs, les nouveaux équipements euh, pour les émetteurs industriels. Très bon. Euh, je peux continuer avec les, euh, les diapos? Je t'en prie. Donc voilà, on va juste faire un petit survol sur le, sur le, le, le prix fédéral. Je pense que la chose importante, c'est le prix euh, de la taxe fédérale a augmenté. Euh, ça passait à 80 en avril. Euh, ça devrait continuer à augmenter par 15 dollars euh, canadiens chaque année euh, pour atteindre euh, 100, euh, 170 dollars euh, en 2030. Um, <coughs> il y a plusieurs d'autres euh, systèmes euh, de tarification, euh, mesures impliquées. On n'a pas le, le temps pour, pour regarder, mais un système de tarification fondé sur le rendement pour les grands émetteurs. Euh, qui est un système fédéral de compensation des émissions de carbone, euh, l'école crédits mais il y a des nombres d'autres politiques et réglementations. On a fait un webinaire, euh, un projet de recherche sur le nombre sur le carbone propre. Euh, je ne sais pas s'il y a des choses à, à signaliser, à, à noter ici au, au niveau fédéral. Ben, euh, aussi ça, la, 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 la cédule des augmentations est prévue jusqu'en 2030. Ça va toujours être le 1er avril. Euh, que ces choses-là augmentent. Euh, C'est sûr qu'au niveau euh, de un prix qui est très saillant pour les euh, peut-être dire deux choses. La première chose, c'est qu'évidemment, le prix fédéral du carbone s'applique pas dans toutes les provinces. Et en particulier, il ne s'applique pas au Québec, parce qu'on euh, a un système propre qui satisfait aux euh, exigences fédérales. Puis en particulier, il ne s'applique pas non plus euh, en, euh, en Colombie-Britannique, pardon, il s'applique euh, en Ontario. Mais l'autre aspect, des fois, c'est que les gens entendent parler d'une. Deuxième taxe carbone, hein, c'est que depuis, euh, ça va faire deux ans, je pense, il y a euh, la norme fédérale sur les combustibles propres qui oblige euh, les distributeurs de combustibles fossiles, euh, euh, en particulier de, de carburant, à euh, réduire l'intensité moyenne. Euh, D'émissions de, de GES de leur carburant. Fait que ça, c'est comme pas une politique de tarification directe, c'est une politique de tarification euh, même indirecte parce que euh, en changeant euh, la composition de, euh, des produits qui sont vendus, donc par exemple en changeant la proportion d'éthanol dans l'essence ou de biodiesel dans le diesel, ben, on augmente les coûts de production. Donc, on va euh, faire augmenter euh, le prix au consommateur euh, à travers cette réglementation-là. Les deux choses s'additionnent, mais comme ce n'est pas un prix explicite dans le cas de euh, la norme sur les combustibles propres fédérales, ben, c'est plus difficile d'en évaluer euh, l'impact actuel. Puis, contrairement au prix fédéral sur le carbone, la norme sur les combustibles propres, ben, elle, elle, elle s'applique au Québec. Alors, donc, euh, on est dans le, le, le beau dédale fédéral-provincial qu'on qu connaît bien au Canada. Merci. Mais euh, juste pour euh, montrer un peu comment l'évolution des choses, mais on voit que depuis le mois d'avril, on a vu une augmentation euh, de 15 au prix fédéral, mais un euh, léger diminution, euh, réduction du prix euh, pour le Québec et Californie. Um, donc, et je pense dans le, le temps qu'il nous reste, on a peut-être 20 minutes. Euh, je voulais juste toucher sur les débats récents dans, dans, qui. Euh, et dans, dans le média, mais um, il y a certains arguments qui persistent depuis un, un, un certain moment-là. Um, Complétologue, ça. J'ai toujours. Um, en je pense qu'il y a des choses à souligner, puis peut-être en parler un peu. Um, donc, il y a souvent des questions um, si le chat des droits d'émission de la Californie est légitime ou pas. Um, on voit qu'il y a un, um, le, 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 le rapport publié par le gouvernement du Québec euh, sur l'atteinte de de de, de, de réduction des, de des émissions de gaz à effet de serre pour 2020, qui était moins 20%. Euh, mm -hmm. Il faut souligner moins 20% sur les niveaux de 1990. C'était il y a aucune juridiction dans le monde, dans le monde qui atteint cette cible. C'est ex, extrêmement ambitieux. Um, puis avec, euh, avec euh, sur le territoire du Québec, il faut souligner que le Québec était capable de réduire ses émissions par 13 sans l'achat des droits d'émission. Mais si on inclut l'achat des droits d'émission de la Californie, on, était, on est allé plus loin de moins 20 27 là. Il y a un discours qui existe euh, que l'achat des droits d'émission, l'importation des droits d'émission de la Californie est ça, ça, Donc, on ne peut pas les considérer comme les réductions faites par les entreprises québécoises. C'est difficile pour moi de... Et je ne sais pas, Charles, si toi, tu as des réactions. Je vais peut-être passer à l'autre diapo, mais... mais peut-être euh... juste, juste une chose sur cette diapo-là avant que, mm -hmm. que tu passes à l'autre. C'est... Euh, euh... Donc, euh, à mon avis, il y a comme de, de, deux enjeux, bon, en tout cas, peut-être il y a des enjeux juste de. de de protectionnisme. Euh, comme dans toute industrie, il y a des gens qui pensent que tout devrait être fait au Québec, puis qu'on euh, ne devrait pas commercer avec d'autres juridictions. Ce ça, c'est pas des arguments en général avec lesquels euh, je suis d'accord. Je pense qu'il y a des bénéfices au commerce entre les pays, il y a des bénéfices à la spécialisation, puis ça fait partie, euh, le, le commerce dans les droits d'émission, ça, ça fait partie de ces bénéfices-là. Puis en particulier dans le cas des changements climatiques, là vraiment, il n'y a aucune différence pour le climat si. Une tonne de GES était mise au Québec ou si une tonne de GES était mise en Californie. Fait en termes de changement climatique, il y a une équivalence euh, parfaite entre euh, les émissions faites dans une juridiction euh, ou dans l'autre. Euh, sur le, 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 les achats nets, des fois, il euh, faut savoir que ce 11,4 tonnes qu'on voit, euh, pardon, millions de tonnes qu'on voit dans le graphique, qui est les achats nets en 2020 par euh, euh, le Québec euh, par rapport à la Californie. Euh, ça, ça, ça vient en deux parties. Il y a à peu près 7 millions que c'est euh, des droits d'émission californiens, pour lesquels là, euh, on sait que euh, c'est des droits qui n'ont pas pu être utilisés par les Californiens, parce que c'est nous qui les avons utilisés. Donc, euh, ça a réduit les émissions en Californie. Puis il y a à peu près un 4 millions. Qui lui vient de projets de crédit compensatoire, tous des crédits compensatoires euh, forestiers. Et tu sais, ce qu'il faut dire, c'est que les, le protocole de crédit compensatoire forestier californien, à l'échelle mondiale, il est très strict, mais celui du Québec est encore plus strict. Euh, okay? Donc, nous, on a comme la Cadillac des euh, projets de crédits compensatoires forestiers, mais le protocole québécois est tellement strict que personne n'en achète. OK. Donc, tous les projets de crédit compensatoire forestier dans le marché Québec-Californie se font aux États-Unis parce que le protocole est un peu moins strict. Fait que là, dépendamment des points de vue des gens sur ces choses-là, il y a des gens qui pensent que euh, ça ne vaut rien du tout, les crédits forestiers. Il y a des gens qui pensent que c'est légitime. Donc, sur ce 4 millions-là, euh, il peut y avoir plus de. Il peut y avoir plus de débats, peut-être. Moi, les études sans doute raisonnables que j'ai vues sur cette chose-là me disaient que peut-être il faudrait mettre un, une escompte de euh, un tiers à peu près sur euh, les euh, crédits compensatoires euh, de projets de de, ah, de projet forestiers aux États-Unis dans le cadre du protocole californien. Euh, et donc, ça voudrait dire que ce 4 millions-là, en fait, voudrait seulement peut-être 2,8 millions. Mais en tout cas, ça, c'est… Euh, un calcul de, de coin table en fait, fait que ça c'est un enjeu puis l'autre enjeu euh, dans l'aspect la, la, contraignant ou surallocation dans le marché québec-californie c'est la mise en banque des crédits c'est-à-dire que les entreprises euh, peuvent utiliser leur crédit tout de suite ou les mettre en banque pour des périodes futures. Ils ne peuvent pas en emprunter. Ce n'est pas possible. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est les utiliser tout de suite ou les mettre en banque. Puis là, euh, s'il y a de la mise en banque, ce qu'on observe en ce moment, ben, on voudrait que l'objectif soit dépassé, comme ce qu'on a vu, à euh, moins 27% par rapport à moins 20%, parce que s'il y a des choses qui sont en banque, ça veut dire que quelque part dans le futur, on va pouvoir émettre plus que les plafonds qu'on s'est fixés parce qu'on s'est fait une réserve. Donc, en 2020, on a été en dessous de l'objectif. Puis, quelque part dans le futur, on pourra être au-dessus. Mais la question, c'est est-ce que le système est assez contraignant pour qu'en ce moment, on ait été suffisamment en dessous pour compenser le au-dessus qu'on sera dans le futur avec les crédits qui ont, euh, qui ont été mis en banque jusqu'à maintenant? Mm -hmm. Et juste pour passer à l'autre euh, diapo, euh, c'est juste pour démontrer que, <coughs> si on regarde les deux inventeurs du Québec et Californie, hein, et ça, c'est les inventeurs pour le 2021, il y a une réduction très importante en Californie. Pourquoi? Parce que la Californie est. Euh, mais. La euh, Californie est. Euh, 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 il y a plus d'émissions dans le secteur euh, de la production d'électricité. Euh, où c'est. La recherche euh, suggère que c'est plus facile. Je veux dire que c'est facile, mais c'est moins difficile de faire la réduction dans un secteur parce que les technologies existent. Euh, comme les panneaux solaires, les éoliennes, même le changement vers la transition vers le gaz, euh, le gaz naturel. Um, mais c'est plus difficile à faire ce genre de transition là, au Québec parce que on est pas, le, le secteur de l'hydroélectricité est, 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 est plus propre. Donc, il y a une légère, euh, il y a une importante réduction des gaz à effet de serre en, en Californie. Moi, personnellement, je pense que leur, leur objectif pour 2020, ça, le l'inverse, c'est l'objectif de 2020 qui est moins contraignant en Californie qu'au Québec. Euh, mais les gens en les Californie étaient capables de dépasser de manière importante cette cible de le 2020. Les Québec, euh, oui, il n'y a, a pas une réduction euh, sur le territoire du Québec, mais avec le chat des droits d'émission. Et le collectif compétitoire, euh, oui, on dépasse le cible du Québec, euh, mais, même euh, de manière importante. Ça, c'est juste les, les, dans les moteurs. Les Donc, puis, euh, puis, si, si tu me permets, Marc, tu sais, mm -hmm. des fois, les gens disent oui, mais 2020, on a eu de la chance d'atteindre euh, l'objectif euh, parce que euh, il y a eu la pandémie. Okay. Mm -hmm. Mais euh, si on regarde au niveau euh, combiné, euh, Québec-Californie, euh, on voit que dès 2016, l'objectif 2020 était dépassé. Alors, euh, donc, les gens mettaient déjà en banque des crédits, faisaient une réduction plus rapide des émissions de gaz à effet de serre que euh, le système euh, l'imposait pour se donner de la marge de manœuvre. Euh, dans un horizon euh, post-2020. Euh, donc, ça, c'est intéressant. Puis, on voit aussi l'impact que le Québec a eu en Californie quand on regarde le graphique avec la ligne rouge. On voit que quand les deux juridictions se joignent à la fin 2014, début 2015, là, on a une accélération euh, des réductions en Californie qui coïncide avec euh, le début de l'importation massive de droits euh, californiens par les émetteurs québécois. Donc, on, on sent vraiment l'impact ici dans la série temporelle. De euh, l'action des émetteurs québécois sur euh, les possibilités de d'émissions en Californie. Peut-être juste la seule dernière chose, puis on va passer à l'autre, question sur la surallocation, mais si on n'avait pas cette liaison avec les Californies est-ce que le Québec aurait, eu, aurait, aurait, aurait été capable d'atteindre son site de, de réduction de moins de 20 Les données que je connais suggèrent. Bien, Peut-être on va mettre de côté pour le 2020 parce que je n'ai pas les, les chiffres dans ma tête, mais pourtant, le les cibles de 2030, les, les prix que j'ai connais basés sur l'homologisation par les experts indépendants, suggèrent que le prix doit augmenter d'ici 2030 à vers 300 dollars canadiens, qui est, on est à 50 dollars actuellement. Là. Donc, est-ce que c'est réaliste d'envisager cette. cette, cette ampleur de réduction à faire d'ici 2030 si on ne participe pas dans les instruments de coopération. Je pense que ça, c'est souvent quelque chose qu'on ne discute pas dans les médias, pas, puis même certains chercheurs ne veulent pas l'aborder. Euh, puis je pense que c'est quelque chose qui est très important quand on réfléchit sur quest ce qu'on est capable de faire euh, et pourquoi on a besoin des instruments de coopération comme le marché du carbone. Oui, je pense que c'est un excellent point que tu soulèves, Marc, parce que souvent les gens, quand ils regardent ça, ils disent Ah oh, ben là, il y a de la fuite de capitaux. Disent, Tout ce qu'on fait, c'est importer des crédits californiens, l'argent des émetteurs québécois s'en va en Californie. Donc, c'est comme la même euh, réaction typique quand on a un, un, un secteur où on est en importation nette. Alors, mais la question qu'il faut se poser, c'est comme celle que tu soulignes quel est le contrefactuel? T'sais, si on avait dû à l'horizon 2020, atteindre notre objectif sans les échanges avec la Californie, mais ça aurait été beaucoup plus douloureux. Les prix auraient été beaucoup plus élevés, l'activité économique euh, aurait été plus faible. Alors, donc là, on a pu atteindre l'objectif avec des coûts plus faibles. Puis je pense que ces coûts plus faibles euh, expliquent en partie... Pourquoi le support politique pour la tarification du carbone est demeuré plus élevé au Québec comparativement à d'autres juridictions, notamment dans le reste du Canada? Bon, je passe à la prochaine question. C'est juste le est-ce que c'est un risque de surallocation? Il y avait notamment un un, un article d'opinion dans la, la presse par les de de Madame Gramont euh, Et je pense que c'était euh, peut-être euh, influencé par un, un publication de, euh, Professor Pinault, une publication récente de Professeur Pinot puis un de ses étudiants, ou euh, un étudiant, ou un étudiant de Coran, mais euh, qui est titulé en anglais Overallocation in the Quebec Carbon Market and non concerning Cap until 2030. Et je vais juste souligner que l'argument, c'est euh, Fondamental, c'est qu'il y un surplus, il, il y aura un surplus des droits d'émission de, disponibles sur le marché jusqu'à 2030, ce qui empêcherait le marché du carbone de, de, carbon de juris en rôle de contraindre. Mais les choses que je vais juste euh, en discuter un peu plus en détail, c'est effectivement leur modèle prévoit des prix de 25 US pour ces période de conformité de 2004-2026. Euh, puis après, ça devrait augmenter. De manière euh, importante. Là. Les défis pour moi, le pourquoi j'ai tout un peu euh, euh, problématique, c'est. Euh, voilà, je vous présente les, euh, les mêmes prix euh, sur le marché actuel et le prix penché en dollars US. Euh, c'est que les prix, leur modèle prévoit que le prix serait actuellement 25 dollars US, puis euh, les prix sont environ 37 dollars. Donc, c'est un peu comme le modèle et des de près d'un tiers. Euh, qui, je pense que c'est quelque chose qui est assez important. Euh, donc, j'étais un peu surpris que ce genre d'études était comme, je comprends, c'est n'est uh, pas le rôle des milieux uh, d'interpréter des de, uh, les, 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 les publications scientifiques. Et en fait, c'est le devoir de, 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 de nous, les, les professeurs ici. Um, mais je, juste pour préciser les choses, je présente les prix euh, planchers, les prix, euh, plancher, les prix euh, actuels en verre, puis le prix modélisé par, uh, par Martin Pinault. Um, puis, effectivement, qu'est-ce qu'ils ont prévu? que C'est On devrait avoir les prix planchers jusqu'au jusqu moins 2027. Et dans le fait qu'on dépasse déjà depuis 2021 les le prix planchers, suggère qu'il y a une certaine faiblesse dans leur modèle. Je ne sais pas, Charles, c'est toi tu as des réactions sur le... Non, écoute, euh, euh, je pense que les, les prix en ce moment sont supérieurs à ce que prévoyaient plusieurs modélisations il y a euh, quelques années euh, encore. Euh, selon moi, un aspect euh, central de la question de la surallocation, c'est quel horizon temporel on adopte pour le système. Parce que beaucoup de ces modélisations-là se font à l'horizon 2030, comme si tout euh, le stock de euh, permis accumulé par les émetteurs jusqu'à maintenant allait être utilisé nécessairement à l'horizon 2030, alors qu'on sait qu'en 2030, il va rester encore beaucoup d'émissions, puis qu'idéalement, il faudrait que le système se poursuive au-delà de 2030. Fait que je pense qu'il y avait Uh, Jim Bushnell à, à l'Université de la Californie et à Davis, qui avait montré que si on faisait la modélisation à l'horizon 2040, qu'on présumait que le système allait se poursuivre jusqu'en 2040, ben là, euh, les prix euh, dans euh, presque euh, tous les scénarios de modélisation étaient largement au-dessus euh, du plancher parce que... La, les droits accumulés actuellement par les émetteurs étaient répartis sur une beaucoup plus longue période. Fait, je pense que la meilleure chose que euh, les gouvernements puissent faire au Québec et en Californie, c'est annoncer rapidement une prolongation du système à l'horizon, euh, un horizon plus lointain, euh, idéalement au moins 2040. Bon, mais euh... Écoutez, euh, pour moi, je pense que c'est juste, juste des choses à signaliser qu'il faut qu'on soit, euh, euh, mais on doit continuer à faire des recherches, on va, on va continuer à surveiller euh, le marché. Mais je pense que c'est des fois ces questions, euh, on, on a besoin juste d'une un, certaine prudence euh, et puis un, euh, un recul euh, sur ce qui se passe sur le marché. Puis regarde surtout qu ce qui se passe en réalité qui est vis de nos modèles parce que c'est pas toujours le le modèle et, et, et fonctionne pas donc il faut aussi questionner solitary que est en, en arrière du modèle um, donc uh, je pense que c'est tout ce qu'on a on a prévu pour aujourd'hui uh...